Mais regardez-moi ça, il y a carrément le train qui passe là. Ah, c'est une tuerie. Je crois que c'est la première fois que je le vois dans le jeu. Excellent. Il me semble pas que j'en avais vu un encore. Et bienvenue à vous tous, YouTube. Comment allez-vous? Nous nous retrouvons aujourd'hui dans ma cabine de camion. Si vous avez suivi les dernières vidéos, vous savez que j'ai acquis un petit simulateur de conduite. Et franchement, qu'est-ce qu'on est bien dedans. Donc aujourd'hui les galéfines, nous nous retrouvons sur ATS. Oui, j'ai bien dit ATS et pas ETS. On est sur American Truck Simulator avec mon petit camion américain. Et franchement, c'est une dinguerie. Il tue quoi. Par contre, je suis en train de faire chier tout le monde. Et bah vous allez attendre les mecs hein. Coastline Mining. Donc on a commencé juste derrière ici comme vous pouvez le voir. Et donc laissez-moi vous expliquer la petite mission. Aujourd'hui on transporte du silice. Alors du silice, de la silice, je ne sais guère. De Seattle jusqu'à Tacoma. Il nous reste 5h19 pour faire la mission pour un total de revenus de 928$. Et bien écoutez, ma foi, c'est parfait. Alors et bien écoutez, je vais vous le présenter un petit peu de l'intérieur quand même, mon petit camtar. Franchement, il est juste magnifique. Un Peterbilt avec bien entendu GPS intégré à l'intérieur et franchement elle déchire avec la couchette à l'intérieur. Il est juste énorme ce petit camtar. Donc du coup les mecs, on est parti. 18 vitesses tout de même, 18 vitesses sur le Peterbilt. Donc c'est énorme. J'ai pas réglé mes clignotants. Ah ça par contre ça va pas le faire les mecs. Je pense qu'on va se garer. Voilà, on va faire chier tout le monde une fois de plus. Et je vais régler mes clignots. Ah bah voilà qui est mieux mon gars. Nickel. Là on est bien les mecs. Direction. Ah bah direction 140 balles d'amende déjà pour commencer. Alors je vous le dis, j'ai à chaque fois je regarde là, je ne sais pas pourquoi la caméra est ici. Je vous le dis, je n'ai pas cheaté hein, sur cette partie hein. J'ai les dollars de base, c'est-à-dire 1500, pas plus, pas moins. Enfin moins maintenant, puisqu'on vient de me délester de 140$. Bien entendu les galéfis, je compte sur vous. N'hésitez pas à laisser le like sur la vidéo, franchement ça me ferait extrêmement plaisir. Vous savez que ça soutient la chaîne. Et vous pouvez également laisser un petit commentaire juste dessous, dans cette case prévue à cet effet. Excusez-moi, j'ai tapé sur le micro. Et bien entendu, comme toujours, si vous voulez toujours soutenir la chaîne un peu plus, vous pouvez aller checker le petit lien G2A qui se trouve dans la description pour acheter ATS ou bien un autre jeu, les mecs. On va peut-être passer la 13. Alors oui, il a 18 vitesses tout de même, le camtar. Hein. Je vais même pas pouvoir passer les 18. En fait, j'ai pas assez de vitesse sur mon levier, tout simplement. Mais c'est pas grave puisque je vais pouvoir les passer autrement. Alors là vous vous demandez très certainement, mais pourquoi ATS et pourquoi pas ETS? Alors déjà d'une part parce que vous me l'avez beaucoup suggéré dans les commentaires. Donc que ce soit dans les commentaires, quand je joue en live sur ETS ou quoi. Et d'autre part c'est parce que j'ai regardé quelques petites vidéos ces derniers temps. Veuillez vous arrêter au poste de pesée le plus proche pour une inspection de votre véhicule. Mais qu'est-ce que c'est que ça mon gars? C'est la première fois que je vois tout ça moi les mecs hein. C'est peut-être ça un poste de pesée à droite? Non? Ouais c'est ça, Weight Station, le poste de pesée. Ok d'accord, je pense qu'on va peut-être prendre une amende encore. On est peut-être trop lourd, je ne sais pas. Donc et d'autre part, oui les mecs, je vous disais, c'est parce qu'en fait, si vous voulez, je regarde pas mal l'émission. Alors ça, vous le savez, parce que c'est vrai que j'en parle à chaque fois. Les routiers de l'extrême, et vous savez, c'est les chauffeurs routiers qui vont en Alaska et tout, qui traversent les lacs gelés. Et franchement, c'est vraiment quelque chose que je kiffe regarder. Et du coup, oui, j'ai regardé quelques petites vidéos sur ATS et je voyais des mecs qui traversaient des lacs gelés et tout sous la neige en Alaska. Et franchement, ça m'a grave donné envie d'y jouer. Donc, alors attendez, on va se stopper ici. C'est ça? Ouais, ok, d'accord. Entrée. On pèse combien? 71 736 livres, certainement. Merci pour votre coopération, bonne route. Bah écoute, c'est parfait. Et franchement, il n'y a pas ça les mecs dans ETS. Ou alors j'ai zappé quelque chose, je ne sais pas hein. Donc déjà, avant toute chose, avant de continuer, laissez-moi vous présenter un petit peu la map du jeu. Alors forcément elle va être moins grande que celle de ETS. Tout simplement parce que j'ai peut-être pas tous les DLC. Bien entendu là j'ai pas de mod pour l'instant. Donc, mais c'est un projet, hein, pourquoi pas modder le jeu et tout. Mais si vraiment vous mettez les mods et tout ce qui va avec, j'ai vu des maps de folie sur ATS les mecs hein. Franchement, il y a des trucs de dingue aussi. Et je pense qu'elle est pas moins grande que celle de ETS. Hein. Alors justement, je me demandais si c'était pas des mods, les lacs gelés et tout. Vous voyez que j'ai commencé directement dans le nord, donc du côté de Seattle. Je vous ai raconté des conneries, on n'était même pas à Washington. On était à Seattle, les mecs. Alors c'est vrai qu'en ce moment, les mecs, il n'y a pas... Ah mon Dieu. Alors en ce moment, c'est vrai que vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de live sur Twitch. Donc c'est tout simplement, alors je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, je ne sais pas quand est-ce que j'ai prévu de la faire, ça se trouve Noël sera passé, ça se trouve peut-être le nouvel an sera passé, si c'est le cas, bonne année à vous, hein. Si ce n'est pas le cas, bah, joyeux Noël. Et donc c'est tout simplement parce que je prépare la période des fêtes, voilà. Donc en fait je fais quelques petites vidéos pour vous proposer du contenu sur la chaîne.
Et donc forcément si je prépare des vidéos, je peux pas faire les lives à côté ou quoi. Donc vous voyez, faut que je jauge tout ça. Il s'agirait de doser. Hop, direction la droite les mecs. Oh là là, c'est pff. Ah puis c'est tellement énorme les mecs dans le simulateur, je vous jure. C'est un truc de dingue franchement. Là j'ai le grand écran qui est devant moi, je suis installé, j'ai le volant, j'ai les petites vitesses à hauteur comme à hauteur d'un vrai camion quoi. Oh, et regardez-moi ça. Regardez ça si c'est pas magnifique dans le coin là. Pff, ça déchire. Ouais. Oh ok, faut que j'arrête de faire le couillon par contre. Ça déchire. Ça aussi ça déchire, tu vois. On est presque arrivé pour cette première mission. Donc ouais, je pense qu'à mon avis, il y a de grandes chances. C'est Tacoma. À mon avis, c'était à droite qu'il fallait que je tourne. Il y a de grandes chances que ce soit des mods, ce que j'ai vu, pour que les mecs traversent des lacs gelés ou quoi. Je ne sais pas du tout. Honnêtement, j'ai pas envie de dire de conneries. Ben, dites-moi tout ça dans les commentaires si vous, vous savez, les mecs. Alors, bon, excuse-moi, c'est vrai. J'ai coupé la priorité dans le rétro. Voilà, il va peut-être bien me laisser passer tout de même, non? On va prendre le virage bien large parce que je sens que je vais me taper la bite jaune avec la SMI. C'est sûr gros, voilà, sûr et certain. Voilà, surtout qu'en fait c'était là qu'il fallait que je rentre. Ok d'accord. Ah je vais te taper mon Jean-Jean. Je vais taper ta bagnole. Ah tu m'envoies désolé. Bon ça va, c'est la première les mecs. C'est la première livraison, on est dans le tuto tranquille. Enfin je crois. Allez nous voilà arrivés, bien entendu. On va se garer comme des pros, hein. Évidemment. On prend le maximum d'XP. Rejoignez l'emplacement de déchargement. Dirigez-vous vers le drapeau rouge indiqué sur votre carte. Mais sans problème, mon gars. Je te la mets où tu veux. Alors, ok. Le drapeau rouge, il est là-bas. Alors. Tranquille. Tranquille, mon gars. Mais c'est énorme. C'est énorme, les mecs. Ah bah, regardez. Voilà. On va la mettre juste ici. Ça, c'est... c'est donné ça. C'est donné les mecs. C'est donné pour un routard comme moi. Regardez ça. Jojo le routard de l'extrême va vous montrer comment qu'on gare une semi. Attention, j'ai trop parlé. J'ai pas le droit à l'erreur. Je n'ai pas le droit à l'erreur les mecs. J'ai beaucoup trop parlé là. Au calme. Comme ça mon gars. Hop. Par contre, attends. Hop. On va éviter de toucher le mur. Ah c'est limite mon gars. C'est limite mais je crois que je touche pas le mur. Sans commentaire. Ok. Et bien voilà, excellent Silis à livrer de Seattle à Tacoma. Nickel. Donc, vous voyez qu'on a gagné un petit peu d'expérience. Donc, ça, c'est cool. Faudrait vraiment que je vois pour modder le jeu. Parce qu'à mon avis, il y a des trucs de dingue à faire sur ATS, les mecs. Des livraisons dans la neige et tout. Traverser les lacs gelés. C'est vraiment quelque chose qui me parle. Moi, comme je vous dis, tout ce qui est les émissions, les routiers de l'extrême et tout, je kiffe. Voici votre siège social. La gelade de transport. Débarque les mecs. Malheureusement vous n'avez pas encore de véhicule pour vous garer ici. Il n'y a donc aucun camion à votre disposition. Oui ça je sais, c'est normal, merci. Marché du travail, on va voir ce qu'il y a un petit peu. Faites-vous embaucher en tant que chauffeur bien évidemment. Ah ça c'est pas mal les mecs. Cette mission elle est franchement pas mal parce que ça nous fait remonter un petit peu dans le nord. Alors à mon avis ça va pas être non plus l'Alaska et tout le bordel. Ce serait tellement cool de traverser les lacs gelés et tout. Qu'est-ce que c'est que ce camion les mecs? Stylé, un peu simple. Putain on dirait une Dacia quoi. On dirait un Camtar avec un devant de Dacia. Et je vous jure c'est un truc de ouf. Je sais pas si c'est le logo qui me fait penser à ça. Ça doit être ça à mon avis. Bon en tout cas franchement il est plutôt stylé. On va voir ce qu'on transporte. Donc du bois de charpente de Seattle à Omak. Temps restant 11h25 pour un total de 5752$. C'est une mission pour Jojo le routard de l'extrême ça mon gars. Alors est-ce qu'on a un GPS intégré dans le camion? Bien sûr que non. Ça aurait été tellement simple. Par contre on va le mettre en mode minimisé. C'est-à-dire comme ça. Oh là là, hey, j'adore le bruit qu'il fait. Il fait un super bruit franchement. C'est tellement énorme les mecs. Je kiffe. Écoutez le bruit qu'il fait. On sent que c'est pas les mêmes bruits que les camions français ou quoi. Oh ça va, vous allez là la caméra. Ça va, vous n'avez rien vu. Personne n'a rien vu. Voilà, hein. Ça, c'est le début. Oh, vous pouvez me l'accorder celle-ci, non? Alors, les décors. Ah, ça a tout de même rien à voir avec Euro Truck Simulator, les mecs. Hein. Ça a rien à voir. C'est d'autres décors et je trouve que c'est tout aussi kiffant que ETS. Alors, ETS est vraiment très joli aussi, hein, mais là, on n'est pas sur les mêmes décors. Hop, freine mon gars. Alors il en est où? Ah bah ça va, impeccable, il vient juste de finir. Allez nous on va à droite les mecs. Franchement les villes elles ont l'air vraiment grandes. Quoi? J'ai brûlé un feu? Mais il était pas vert, j'ai pas vu.
J'ai cru qu'il était vert, les mecs. Direction le nord pour nous. Non, c'est vraiment énorme. Par contre, derrière, le temps a l'air gris quand je regarde dans le rétro. Je pense que ça va se mettre à pleuvoir dans pas très longtemps. Alors oui, les mecs, vraiment, je reviens dès début janvier. Donc dès début janvier, on revient en force. Les lives vont reprendre sur Twitch. Les vidéos vont reprendre à un bon rythme et tout. Donc vraiment, j'ai encore plein de belles idées pour les vidéos à arriver cette année. Donc vraiment, restez branchés. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker les vidéos. Ça me fait extrêmement plaisir. Vous savez toujours que c'est le petit soutien pour la chaîne. Et donc, on va revenir au mois de janvier tranquillement. Ouais, regardez ça. C'est pas un hélico qu'il y a au-dessus, mon gars. Il est excellent, mon gars. Excellent. Par contre, je suis au point mort. D'ailleurs, selon la période à laquelle vous allez voir cette vidéo, dites-moi ce que vous allez faire un petit peu pendant la période de Noël ou ce que vous avez fait, tout simplement, ce que vous avez prévu. Oh là là, hey, c'est énorme. Regardez les petites villes et tout à côté, là. Pff, enfin, les petites villes. C'est façon de parler, hein, parce que ça a vraiment l'air de grandes villes, les mecs. Ça a l'air juste énorme. Oh, d'accord. Il n'y a que 9 vitesses sur celui-là. Oh, ça me paraît bizarre. Il n'y a pas de dégâts sur le camion, donc non, c'est qu'il n'y a que 9 vitesses. Direction Vancouver. Vancouver, c'est le Canada, ça. Petite dédicace également aux Canadiens qui nous regardent. Je sais que vous êtes pas mal aussi sur la chaîne. Les Québécois, Québécois, Québécoises, vous êtes toujours les bienvenus, bien entendu. Je viens juste de m'apercevoir qu'il y avait un truc dégueulasse juste derrière moi sur l'écran. Je viens de l'effacer à l'instant, mais en même temps, je pense pas que ça aura été trop dérangeant puisqu'il était vraiment tout petit. Mais je viens de l'effacer et j'en suis désolé, c'est que je viens juste de m'en apercevoir. Vraiment, j'avais pas fait gaffe. Des fois je regardais le retour, mais quand je jette un petit coup d'œil vite fait, je pensais que c'était dans le rétro ou quoi. Mais en fait non, c'était un petit bout de mon bureau qui était derrière, sur la fenêtre tranquille au calme. Wait Station. Je crois qu'il faut qu'on s'arrête, non? Il m'a pas dit de m'arrêter? Parce qu'il y en a une sur la prochaine à droite là. Je sais pas s'il m'a dit de m'y arrêter. Ah si, ok, d'accord. Ouais, ok. On va s'y arrêter tranquille. On va faire un petit contrôle. Petit contrôle du poids, les mecs. Est-ce qu'on peut repartir? Ah, même les bagnoles y passent. Tout le monde y passe, quoi. Ok. Putain, mon gars. Je suis arrivé à donf là-dedans. Laisse tomber. On va taper une petite marche arrière. Alors, ça dit quoi? 68 060 livres, certainement. Merci pour votre coopération. Bonne route. Eh ben, c'est nickel, ça. À droite, les mecs. Direction Burlington, Coupeville. Alors, je ne sais pas si parmi vous qui regardez la vidéo, il y a des gens qui jouent à ATS. Eh bien, dites-moi tout ça dans les commentaires. Je vais me retourner, mon gars. J'arrive comme un basio. Comme un ouf, là-dedans. Ah, oui. Mais oui, bien entendu. Bien entendu. J'ai rien grillé, les mecs, hein. Le feu est rouge. C'est vrai qu'aux États-Unis, le feu se trouve toujours après la rue. C'est pas comme en France. Vous voyez? Ok, je viens de capter, mais oui. C'est juste que je m'en souvenais plus. Tiens, ça y est, il est vert. C'est pour ça que je me prenais des 140 balles d'amende depuis tout à l'heure. Moi, je l'ai pris bien large, le virage là, mon gars. Alors, par contre, il y a un truc dont je me souviens plus. Est-ce qu'un miles équivaut à plus d'un kilomètre? Ou moins d'un kilomètre. Il me semble qu'un miles, c'est plus d'un kilomètre. Mais je ne suis pas sûr. Quoi que tu me diras, la vitesse où ça passe, c'est peut-être pas sûr. Je ne sais pas, en fait. Je sais que 1 miles par heure, ça vaut plus d'un kilomètre heure. Ça, c'est sûr. Par contre, 1 miles en unité kilométrique, on va dire, je ne sais pas si ça vaut moins ou plus. Je pense que ça vaut plus, hein. À chaque fois je veux passer la 6, mais en fait il n'y a pas de 6 sur ce camion. En tout cas, vraiment, j'espère qu'il est cool, ce petit point de vue au niveau de la caméra. Donc que c'est plutôt cool pour vous, que ça gêne pas trop le... J'étais en train de regarder le retour. Que ça gêne pas trop le rétro, justement, parce que oui, forcément, il y a ma grosse tête qui est juste derrière le rétro là. Faudrait que je conduise comme ça. Faudrait que je me mette comme ça pour que vous voyez clair. Mais bon, après ça va, tranquille. Vous avez le rétro sur la droite. Pourquoi je fais des zigzags comme ça là-haut? Tranquille. Ça, c'est parce que je suis en train de regarder le retour et tout. Voilà. Oh là, c'est joli dans le coin. Joli dans le coin, les mecs. Un petit truc pour s'arrêter là, tranquillement, sur la droite, avec un petit parc naturel et tout. C'est vraiment ultra stylé, les mecs. On est d'accord. Vous allez voir que dans 2 secondes, il y a un élan qui va traverser la route. On va le taper, mon gars. Ça va être énorme. Ah ouais, regardez les montagnes et tout enneigées là. C'est là-bas que je veux aller. Alors, est-ce que c'est un DLC? Est-ce que c'est des mods qu'il faut installer? Oh là là, eh, c'est ultra joli. C'est franchement ultra clean. Et encore une fois, je le répète, mais ouais, clairement, ça n'a rien à voir avec les décors de ETS.
Ils ont fait un boulot de dingue, les mecs. Que ce soit sur ATS, je vais me retourner. Non, ça va. Oh, si, je vais me retourner, gros. Non, ça va. Ils ont fait un boulot de dingue, les mecs. Que ce soit sur ETS ou sur ATS. Dans tous les cas. Alors, par contre, je sais pas si c'est la même team, ETS et ATS. Il me semble que si. Je crois que c'est les mêmes développeurs. Oh là là, regardez ça. On passe des petits tunnels et tout. C'est énorme, les mecs. Regardez ça. On passe genre des petits barrages ou quoi. C'est vraiment cool, hein. Ah ouais, ouais, ouais. C'est joli, mon gars. Ah ouais, c'est propre. Et c'est vrai que j'avoue, ça fait un petit moment que vous me parlez de ATS dans les commentaires. Et bah, je m'y étais pas plus intéressé que ça. Parce qu'en fait, je vous le répète à chaque fois pendant les lives, quand vous me demandez ouais, est-ce que tu vas jouer à ATS et tout. Et je vous dis bien souvent, je préfère jouer à ETS parce que je préfère rouler en Europe. Alors, ce qui est pas faux en soi, mais c'est vrai que finalement, bah, quand tu goûtes à des nouveaux décors et tout, des nouveaux camions... un nouveau gameplay au final, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai qu'il y a des petits trucs, il y a des petites subtilités que tu vas pas retrouver dans ETS. Par exemple, bah, la prise de poids, il ne me semble pas qu'elle est dans ETS celle-ci. Hein. Alors par contre, regardez ça ici. Oh là là, c'est énorme les mecs, c'est énorme, avec les lacs bleus et tout. D'ailleurs, j'en ai un qui est pas très loin de chez moi, un lac bleu, mais genre bien bleu, peut-être même plus bleu que celui-là en fait. Mais franchement, ouais, les décors. Jean-Jean, salut à toi, un collègue. Je connais bien. Oh là là, comment ça galère mon vieux dans les montées. Ah, je suis à donf les mecs. Ça sert à rien que je passe la 7, je ralentis clairement. Alors vous voyez qu'il faut gérer la fatigue aussi. Je ne l'ai pas enlevé. Honnêtement, c'est pas volontaire de ma part de l'avoir laissé. C'est juste que j'ai pas pensé à l'enlever. Mais je me dis bah, pourquoi pas laisser la gestion de la fatigue. Ça peut être sympa. Par contre mon gars, j'avance pas là. Alors je veux bien passer la 7. Mais ah oui si. Et tu m'étonnes que j'avançais pas. Je trouve qu'il y a vraiment pas mal comment dire. Oh c'est joli hein. Il y a vraiment pas mal de petites animations. Collègue, salut mon Jean-Jean. Il m'a fait un petit appel de phare hein. Mais je crois que c'est parce que justement j'ai mes plein phares d'allumer en fait. C'est pas grave, je vais les s'allumer. Ah mon gars, dans la descente là. Là ça va rouler les mecs. Regardez ça, regardez la vitesse là. Vitesse stratosphérique lancée mon gars. Ah ils sont bridés à 56 les camions en Amérique. 56 miles. Je viens de le ressentir là. Le moteur il s'est coupé à 56. Dès le mois de janvier, on revient en force sur les lives. Et justement, va très certainement y avoir du ATS. Donc on verra également pour modder le jeu. A voir. Il y aura bien entendu le retour d'Euro Truck Simulator 2. Hein. On va bien entendu continuer Forza. Il y aura du The Crew 2. Il n'y aura pas que des jeux de voiture. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. C'est pas parce que j'ai reçu le simulateur que ça y est, je vais passer ma vie là-dedans. Hein. Quoique, franchement, on est bien. Hein. Ah, je suis bien là, mon gars. Regardez la vitesse stratosphérique là. 66 miles à l'heure. 67, 68. Je vais me retourner, gros. Je freine, je freine. J'ai préféré. Vous voyez, j'ai failli faire une connerie là. J'ai voulu faire le ouf, voir un petit peu à quelle vitesse il pouvait monter le Camtar. Bah, j'ai vu, ça y est. Ah, moi, je vous dis clairement, ce que je kifferais, c'est passer les lacs gelés et tout. Un petit peu à la routarde de l'extrême, quoi. Comme l'émission qui passe sur RMC. Je sais plus si c'est RMC d'ailleurs, TMC, une chaîne qui se termine en C en tout cas. Là on fuse un peu les mecs, hein, je vous avoue. Hein. C'est vrai que j'ai pas l'air d'avoir trop le temps là, mais je vous dis c'est parce que je suis en descente. Hein. Ouais, il m'a fait un petit appel de phare. Lui. Et je vais éteindre mes phares les mecs. Voilà. Comme ça je pense que ça doit être pour ça qu'ils me font des appels, je pense. Donc à voir franchement si vous avez des mods à me conseiller, n'hésitez pas à me laisser tout ça dans les commentaires. Si vous avez des noms de mods, si vous connaissez bien ATS aussi, des pro-mods également. Parce que je suis sûr qu'il y a autant de pro-mods sur ATS que sur ETS en fin de compte. Oh merde, j'ai loupé le virage les mecs. Attendez, je suis un ouf ou... Je peux peut-être faire demi-tour là-bas, regardez. Je vois un espèce de camion dans les vignes là. On va tenter. Ah, quoique, regardez, je peux faire demi-tour carrément. Ouais, je peux faire comme ça aussi. Mais quoique, je partirai bien dans les vignes quand même. Histoire d'aller faire demi-tour. Allez, vas-y, mon gars. Je tente de monter là-haut. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'aller là-haut. Vas-y, on va se la tenter. Oh là là, hey, c'est énorme. Par contre, je sais pas si je veux monter avec le Camtar. Oh non. Non, je me suis coincé. Mais de toute façon, regardez, c'est grillagé en haut. Voilà, on va faire demi-tour. Comme ça, au moins, on est sûr. Hop. Bon, j'ai fait un petit peu le ouf, les mecs. Là, je vous avoue. Bon, c'est les premières livraisons. C'est un petit peu l'euphorie de la découverte et tout, tranquillement. Mais pour les prochaines, on se concentrera un petit peu plus. Ah bah, en plus, regardez ça. On va dans des petits chemins, là aussi.
Mais c'est excellent, mais il y a des petits chemins partout dans le jeu. Ouh, Sésame, ouvre-toi. Impeccable, mon gars. Après, c'est pareil. Et je me lance là-dedans, je me lance dans un petit peu tout, moi, les mecs, hein, vous savez. À chaque fois, ça change tout le temps, hein. Mais c'est vrai que je me lance un petit peu dans ATS, mais on s'était lancé aussi sur la map modée de ETS. Je ne sais plus comment qu'elle s'appelle, cette map. On avait fait des vidéos dessus, d'ailleurs. La grande map modée, là. Qui est franchement pas mal, à l'échelle 1.1. Oh, c'est énorme. Écoutez le bruit. C'est dingue, hein, quand même, hein. Vous avez même les bruitages qui vont avec et tout. De l'intérieur de la cabine, tu l'entends qu'on est dans les chemins, quoi. C'est vraiment ultra stylé. Ok, donc nous, on va livrer ici. Eh ben, mon vieux. Eh ben, ça travaille dur, tiens. Il est pas pressé, mon Jean-Jean, hein. Regardez-moi ça, là. Eh, il est pas pressé, mon vieux, hein. Ah, ça travaille dur, hein. Vas-y, prends ton temps. T'inquiète pas, j'arrive. Allez, mon gars. Où en avez-vous besoin? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Eh ben, vas-y. Hein. T'inquiète pas, on n'est pas pressé. Hein. Eh oui. Ils ont quand même l'air de bien se faire chier, mon vieux. Hein. Et puis là-bas, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comment ça bosse ici. Ouais, c'est bien. Ah, ça, c'est un bon boulot, ça. Ça, vous voyez, c'est des boulots qui sont convoités, ça. Ouais, des boulots où tu regardes ta montre. Ah, attends, il regardait vraiment sa montre. Non mais j'hallucine, non mais regardez-moi ça les mecs. Regardez-moi ça. Ça c'est des boulots qui... Oh, regardez, les mecs ils regardent sa montre. Il a regardé sa montre il y a 10 secondes. Il y a 10 secondes il a déjà regardé sa montre. Tu vois. Ça c'est des signes qui... Voilà, c'est des signes qui trompent pas, mon gars. Faut changer de métier. Et voilà, il regarde encore sa montre, bah il fait que ça, mon vieux. Eh ben... Enfin bon, que veux-tu. Allez va. Trêve, passons. Nous on est là pour une livraison. On n'est pas là pour juger. Encore heureux, mon vieux. Parce que mon Dieu, qu'il y en aurait des choses à dire et à constater. À l'aise, mon gars. À l'aise. À l'aise ou... Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Tranquille, tranquille. Concentration, les mecs. On va éviter de se garer. Comme une chèvre. Bon, en tout cas, c'est mal barré. Hein. Là, on est plus... parti pour se garer comme un fromage de chèvre, je vous le dis. C'est pire qu'une chèvre, en fait. Bon, c'est la première, les mecs. Vous me l'accordez, celle-ci. Allez, excellent. Ça va, ça va, ça va, ça va. Allez, c'est la première. On passe au niveau 2. Ouh, j'allais dire presque au niveau 3. Pas tout à fait. Excellent. Bah, tu m'étonnes, mon gars. Bien évidemment. On va rajouter quoi? On va rajouter... dans les marchandises dangereuses, tiens. Eh ouais, et pourquoi pas. Ça peut rapporter un petit peu plus pour les livraisons. Bon, en tout cas, les galéfis, j'espère vraiment que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit like, tout ça, abonnement. Ça, ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. N'oubliez pas, début janvier, on revient en force. Il y aura des lives, il y aura des vidéos, il y aura tout ce qu'il faut. Là, c'est un petit peu la fin d'année et tout. Donc, encore une fois, selon... la période à laquelle vous regardez cette vidéo, je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année peut-être. En tout cas, voilà, passez d'agréablement fête de Noël, que ce soit avec vos amis, avec vos familles. On se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Et ciao tout le monde, bye bye.